Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une réaction, une façon de parler, de réagir face à l'autre que vous avez immédiatement regretté? Ou peut-être vous êtes demandé, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je réagis toujours comme ça dans cette situation? Une réaction que vous n'arrivez pas à contrôler, qui vous dépasse totalement, que vous aimeriez changer, mais que vous n'arrivez pas à changer. Donc si ça vous arrive d'être comme ça, dépassé, déstabilisé par vos réactions, d'avoir envie de les changer, mais pas réussir à contrôler, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer ce qui se passe et surtout comment vous pouvez agir sur cet aspect-là. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un phénomène que l'on vit tous de manière plus ou moins récurrente, plus ou moins quotidienne, plus ou moins forte dans notre vie. Le fait d'avoir des réactions qui nous dépassent, le fait d'agir quelquefois presque entre guillemets contre notre volonté, en tout cas de ne pas comprendre pourquoi on réagit d'une certaine manière, parce que peut-être vous avez des réactions qui sont pas toujours conformes à vos valeurs et que vous n'arrivez pas à contrôler. C'est vrai que quand ça nous arrive, c'est frustrant, c'est déstabilisant. On a l'impression qu'on n'a pas de contrôle, qu'on n'a pas de volonté, presque comme si quelqu'un d'autre finalement agissait à notre place. C'est comme s'il y avait une espèce de part de soi qu'on n'aime pas trop et qui quelquefois va se mettre en colère, va dire des choses méchantes et blessantes, va agir ou réagir d'une certaine manière avec les autres, qu'on ne reconnaît plus. Donc c'est relativement culpabilisant parce que ça nous amène à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire et qui sont, comme je disais tout à l'heure, contraires à nos valeurs. Très désagréable parce que ça renforce l'idée qu'on est totalement impuissant et qu'on n'arrive même pas à contrôler la manière dont on agit et dont on réagit. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Je vais surtout vous expliquer pourquoi c'est pas de votre faute, pourquoi il faut que vous arrêtiez de vous culpabiliser pour ça. Et puis, je vais vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vraiment que je vais vous expliquer pourquoi vous réagissez comme ça. Parce que le fait déjà de comprendre, ça va vous aider à avoir une vision un petit peu différente de vos réactions. Et puis ça va vous aider à savoir quoi faire pour pouvoir mettre des choses en place pour réagir un petit peu différemment. Parce que comme je le disais, c'est vraiment déstabilisant de se voir avoir des comportements qui sont quelquefois totalement contraires à nos valeurs. On voudrait être, je prends l'exemple d'un parent, toujours soutenant, toujours aimant, toujours doux, toujours patient, et puis on se retrouve à crier sur nos enfants à la moindre petite chose qu'ils font, qui finalement en soi ne sont pas graves, mais on est complètement dépassé. On voudrait, pareil, dans nos relations sociales, agir de telle ou telle manière, et puis on se retrouve à avoir des façons de réagir où on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Ça me ressemble pas, c'est pas ce que j'aimerais être, c'est pas la personne que j'aimerais être, l'ami que j'aimerais être, dans le monde professionnel, le collègue que j'aimerais être. Donc pourquoi vous réagissez comme ça et pourquoi surtout a posteriori vous dites, ah j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû faire ça? Et pourquoi en fait vous vous trompez? Parce que vous n'auriez pas pu forcément dans l'instant faire différemment. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il faut déjà qu'on prenne une vision un peu globale de la situation et ce qui se joue en vous dans ces moments-là. On va être très large, hein, je vais être très large. La vie, le principe de la vie, c'est qu'on est toujours en train de s'adapter. C'est un jeu d'adaptation constante entre nous et entre notre environnement. On a l'impression que les choses sont figées, sont toujours les mêmes, qu'on est dans notre routine, mais en réalité, tout bouge tout le temps, que ce soit notre physiologie, que ce soit notre environnement. C'est un peu une illusion d'avoir l'impression que les choses ne bougent pas. Et au final, on est conçu pour ça. Notre corps est conçu comme ça. Pour ça, excusez-moi, notre cerveau surtout est conçu comme ça. Il est conçu pour toujours être en train de s'adapter. Et pour pouvoir faire face comme ça à toutes les sollicitations de notre environnement et pour garder toujours un certain équilibre face à tout ce qui nous arrive. Donc, dans cette optique, quand tout va bien, il n'y a pas de problème, on va s'adapter, réagir de manière pertinente par rapport au contexte et par rapport à nos valeurs. C'est toujours ça, c'est toujours nous, nos valeurs, qui nous sommes, ce que nous avons envie d'être, nos objectifs et l'environnement. Et on essaye de faire une adaptation sur ces deux choses pour pouvoir avancer dans la vie. Sauf que la pratique, comme je vous disais, c'est qu'il y a l'environnement à côté. Et cet environnement, il va nous bombarder de plein de choses, il va nous arriver plein de choses dans notre vie. On va devoir s'adapter. Donc on va devoir trouver des ressources pour s'adapter. Et ces ressources, elles ne sont pas illimitées. Et du coup, quand ces ressources, elles commencent à manquer, quand vous êtes en limite de ressources, et ben cette jolie théorie où on va toujours s'adapter, où on va être capable de contrôler notre comportement, capable de pouvoir agir, réagir de la manière dont on le souhaite, ne sera plus possible. Ça arrive quand on vit, par exemple,
si vous me suivez, avec une maladie chronique, et qu'on a des jours où on a trop de symptômes, où l'équilibre est totalement perdu et où du coup on est en limite de ressources. Ça va arriver dans la vie de tous les jours quand on a une vie où on a trop de choses dans notre vie, où on est stressé, où on a une vie professionnelle, où on a trop de choses à faire, où on a trop de charge mentale, où on a... Voilà. Donc en fait, dès qu'on arrive en limite de ressources, ces beaux mécanismes d'adaptation qu'on a dans le cerveau qui fonctionnent extrêmement bien, eh bien c'est pas qu'ils vont connaître des couacs, mais c'est que notre cerveau, pour nous protéger, justement, pour garder nos ressources, va se mettre à réagir d'une certaine manière. Et c'est ce qui explique que vous n'arrivez pas à contrôler vos réactions dans cette situation. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dès lors où vous allez commencer à manquer de ressources, que l'information va arriver à votre cerveau que vous êtes en limite de ressources, que vous êtes en limite énergétique, eh bien votre cerveau, il va faire des choix. Et quand je parle de votre cerveau, en fait, le cerveau, il est composé de plusieurs structures. Et on a, on va dire, un cerveau entre guillemets primaire, c'est-à-dire un vieux cerveau qui va prendre en charge vraiment tout ce qui est mécanisme automatique, réflexe de survie, régulation de nos fonctions corporelles. On a et aussi tout ce qui est émotionnel, donc ça c'est les parties, on va dire, plus archaïques, plus anciennes de notre cerveau qui fonctionnent de manière totalement inconsciente, et heureusement s'il fallait penser à tout ça toute la journée. Et puis on a notre partie plus récente de notre cerveau, alors c'est très simplifié, notre cortex, qui sont toutes nos fonctions supérieures, qui nous permettent d'agir, de réagir de manière consciente, de manière voulue, c'est le siège de notre volonté. Et qu'est-ce qu'il se passe en fait quand notre vieux cerveau commence à percevoir qu'il manque de ressources, commence à percevoir qu'il n'est plus en sécurité parce qu'il va plus pouvoir finalement répondre à toutes les sollicitations et maintenir l'équilibre? Eh bien tout simplement, il y a un mécanisme qui se passe, c'est que certains de nos chemins cérébraux vont se désactiver temporairement. Et les chemins cérébraux qui vont se désactiver, c'est les chemins cérébraux entre notre vieux cerveau et notre plus récent cerveau, on va dire, entre nos fonctions plus inconscientes et nos fonctions plus conscientes. Alors, je vais prendre une image pour vous expliquer, parce que ça sera beaucoup, beaucoup plus simple à visualiser. Cette image, je l'emprunte à un psychiatre qui s'appelle Daniel Siegel, dont j'ai peut-être déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, qui nous dit que finalement, on va imaginer une maison. Et dans cette maison, on va imaginer qu'elle a un rez-de-chaussée et un étage. Au niveau du rez-de-chaussée, on va avoir, on va dire, tout ce qui nous permet de rester en vie. On va avoir la cuisine pour pouvoir se faire à manger, on va avoir la salle de bain pour pouvoir se laver et garder une certaine hygiène, et on va avoir par exemple une chambre pour pouvoir dormir. Et à côté de ça, donc ça c'est nos fonctions primaires, à côté de ça, on va avoir notre étage. Et dans notre étage, on va avoir des choses qui vont nous aider justement plus à aller vers nos objectifs, vers aller vers qui on est, vers ce qu'on aime. On va avoir peut-être une bibliothèque pour pouvoir apprendre des choses. On va avoir peut-être un bureau pour pouvoir travailler. Voilà, on va avoir des choses, une salle de sport pour pouvoir dépenser notre énergie, une salle photo pour notre passion de la photographie. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc on a ces deux étages, enfin cet étage et ce rez-de-chaussée, et pour communiquer, on a un escalier qui nous permet finalement de faire communiquer les deux. Et bien en fait, ce qui se passe quand on n'a plus de ressources, quand on est stressé, quand on est dépassé, quand notre fenêtre de tolérance, et ça je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur la fenêtre de tolérance, n'a plus la capacité de processer tout ça, c'est comme si l'escalier il s'en allait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à l'étage d'en bas et on ne peut plus accéder à cet étage d'en haut. Et ce qui est très important à savoir, c'est que dans cet étage d'en haut, dans notre cortex, il y a une partie qui s'appelle le cortex préfrontal qui va nous permettre justement de jouer un rôle important sur la régulation de nos émotions et de nos réactions. C'est-à-dire qu'en automatique, on a certaines réactions et le cortex préfrontal va nous permettre, en prenant en compte notre environnement, en prenant en compte tout ce qui se passe autour de nous, de dire « Ok, là, cette réaction n'est pas adaptée, je vais en avoir une autre » et ça nous permet de nous calmer, de nous apaiser, d'inhiber ces réactions émotionnelles. Sauf que, imaginez, vous avez un incendie. L'incendie, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais bon, on va dire un incendie. Vous avez un incendie, tiens, dans votre chambre. Du coup, votre extincteur, il se trouve à l'étage. Sauf que quand il n'y a plus d'escalier pour aller chercher cet extincteur, vous pouvez bien savoir ce qu'il faudrait faire, savoir quel comportement il faudrait avoir, savoir exactement ce qui va se passer. Eh bien, en fait, si vous n'arrivez pas à accéder à votre étage pour prendre votre extincteur, vous ne pourrez pas éteindre le feu. Bon,
C'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a d'autres manières d'éteindre le feu, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et c'est ce que nous explique Daniel Siegel, et c'est ce que nous explique, que nous montre maintenant surtout beaucoup de recherches en neurosciences et beaucoup d'études faites par IRM fonctionnel, c'est que quand on est en limite de ressources, eh bien tout simplement ces chemins qu'on appelle d'inhibition de notre cortex préfrontal ne peuvent plus faire leur travail. Ce qui fait qu'on va se retrouver à être dans une situation où c'est le feu en nous, où on va réagir, par exemple, notre enfant, on va être obligé de lui dire 3 fois d'aller se brosser les dents, et bien la 4e fois, on va se mettre à hurler alors que c'est complètement inadapté, disproportionné et que notre enfant va pas comprendre notre comportement. Et on va se dire, mais pourquoi j'ai pas réussi à rester calme? Ben c'est tout simplement que vous n'avez plus accès à ces chemins qui vous permettent de vous calmer, vous n'avez plus accès à cet escalier qui va vous permettre d'aller chercher des petits outils pour vous calmer, pour pouvoir régler le problème. Ça, c'est très important à savoir parce que souvent, quand on a un comportement comme ça, une réaction très viscérale, on va dire, et c'est le cas pour le coup, on se culpabilise parce qu'on se dit j'aurais dû faire autrement. Mais en fait, tout ce qui compose votre conscience, vous n'y avez pas accès. Donc, toute cette explication était pour vraiment vous convaincre et vous dire arrêtez de vous culpabiliser, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas accès à ce moment-là à ces fonctions qui vous permettent de vous raisonner, de vous calmer, d'analyser calmement la situation pour avoir un bon comportement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est votre pilote automatique qui va prendre le dessus. Et votre pilote automatique, en fonction de chacun, il est différent. Il est composé de toutes vos expériences passées, souvent de tout ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre passé, de vos expériences marquantes. Et souvent, il est beaucoup composé aussi de mémoires qui se sont créées dans des situations un peu compliquées, où vous étiez obligé d'adopter une certaine stratégie pour avoir un comportement qui va vous permettre dans cette situation de vous remettre en sécurité. Et c'est pas toujours le meilleur comportement, mais c'est le comportement automatique qui est ancré dans votre mémoire. Par exemple, quand quelqu'un me dit quelque chose de blessant, j'aurais tendance à lui répondre quelque chose de blessant parce que ça me permet de me protéger. C'est franchement pas adapté en tant qu'adulte, mais on a pris l'habitude de faire ça quand on était plus jeune, c'était un automatisme et on le garde. Par exemple, quand je suis dans une situation où je me sens complètement dépassée, je peux avoir une tendance à hurler, je peux avoir une tendance pour me défendre, je peux avoir une tendance à l'opposé, à me figer et à ne plus rien dire et à me sentir vraiment très mal. Et ça, c'est personnel à chacun et ça, surtout, c'est une activation de vos chemins cérébraux et vous n'y êtes pour rien consciemment. Voilà, je le répète, mais c'est important de se dire arrêtez de vous culpabiliser, c'est pas votre faute si vous réagissez comme ça. Dans l'instant, vous pouvez rien faire d'autre, donc arrêtez de vous torturer, essayez de comprendre, d'analyser, de chercher comment changer, chercher qu'est-ce que vous auriez pu... En fait, arrêtez d'essayer de contrôler, parce qu'en fait, le contrôle, c'est encore plus essayer de mettre de la résistance, de dire « oulala, il faut absolument que je trouve comment retrouver cet escalier », sauf que l'escalier, plus vous allez le chercher, moins vous allez le trouver. La meilleure chose à faire dans cette situation, c'est vraiment de faire une pause, de vous rappeler que ce n'est pas de votre faute et d'attendre que ça se calme. Parce que ça se calme tout le temps, parce que le corps est fait pour vous remettre à l'équilibre. Donc dès que vous aurez un petit peu plus de ressources, l'escalier, vous allez de nouveau le retrouver. Et surtout, si je peux me permettre de vous donner un conseil, essayez de ne pas trop ajouter de stress là-dessus, de choses qui vont encore plus brûler, de « il faut, je dois », de choses où vous allez encore plus créer de la résistance et faire que, en faisant ça, sans vous en avoir conscience, vous renforcez en plus encore ce chemin cérébral qui va encore plus avoir d'énergie, qui va s'activer encore plus facilement. Donc vraiment, rappelez-vous, c'est pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas une personne méchante parce que vous réagissez de telle manière, vous n'êtes pas une personne faible parce que vous réagissez de telle manière, c'est juste à un moment donné une réponse adaptative que vous avez eue à un moment de votre vie qui s'active de manière automatique et qui se trouve être maintenant maladaptative, hein, qui n'est pas adaptée à la situation. Alors vous allez me dire comment faire du coup, puisque je vous dis que dans l'instant vous ne pouvez rien faire de spécial à part attendre. Et bien en fait, au lieu d'agir dans l'instant et d'essayer de faire preuve de volonté, etc., etc., ce qui ne marche pas parce que l'escalier n'est pas accessible, il va falloir avoir une stratégie un peu différente. C'est la stratégie de se dire, ok, du coup, si ça se met en place, pourquoi ça se met en place? Pourquoi à des moments je suis dépassée? Qu'est-ce qui fait que je manque de ressources? Puisqu'on a identifié que ce qui faisait que ça se déconnecte, c'est qu'on manquait de ressources. Donc qu'est-ce qui fait que je manque de ressources? Ou qu'est-ce qui se fait que dans cette situation, je ressens un stress tellement fort que ça me fait sortir de ma fenêtre de tolérance. Et ça, vous êtes la seule personne à pouvoir répondre à cette question, puisque ça va dépendre de votre histoire personnelle, de comment vous êtes
entre guillemets câblé, c'est-à-dire comment vos chemins cérébraux s'activent, quelles réponses adaptatives vous avez trouvées à un moment donné qui maintenant se trouve ne plus être adaptative, quelle situation vous avez vécue peut-être qui a créé certaines mémoires implicites qui s'activent automatiquement en fonction de certains déclencheurs. Alors, comme d'habitude, je vous conseillerais, c'est pas simple de le faire seul, mais peut-être de vous faire aider pour déjà identifier ça, identifier ce qui pèse sur votre système nerveux, ce qui vous prend de l'énergie, et à votre niveau, donc c'est bien d'être accompagné pour faire ça, parce que c'est pas facile de le faire seul, mais à votre niveau, ce que vous pouvez déjà faire, ben, c'est tout simple, mais c'est d'arrêter de vous juger, c'est d'arrêter de vous raconter des histoires pas possibles quand vous agissez de telle ou telle manière, c'est d'arrêter de rajouter de la résistance à tout ça, c'est d'être plus présent à vous et plus bienveillant avec vous-même quand il vous arrive cette chose-là, et d'essayer d'avoir moins de contrôle, plus d'acceptation. Alors l'idée, c'est pas d'accepter ce qui est inacceptable, hein. C'est pas d'accepter par exemple que telle personne vous traite de telle manière parce que vous êtes dit qu'il faudrait être plus gentil, plus douce, mieux réagir, mieux faire ci, faire ça. Non, l'idée c'est aussi de pouvoir poser ses limites à un moment donné. L'idée c'est surtout de mieux se connaître, de voir ce qui se passe en soi et d'arrêter de vouloir à tout prix contrôler son comportement, mais plutôt d'accompagner ses réactions et de s'accompagner soi. Comme d'habitude, bah, je vous remettrai la vidéo où je parle de contrôle et de présence, et pour que vous ayez un petit peu la différence entre les deux. L'idée, c'est vraiment de trouver comment agrandir votre fenêtre de tolérance. Pareil, je vous remettrai en dessous et puis ici un podcast que j'ai fait à ce sujet. Si je peux simplifier, l'idée, c'est d'identifier ce qui vous empêche d'être vous, ce qui vous empêche d'être vous dans cette situation. Comment vous pouvez vous accompagner pour alléger la charge. Alors là, peut-être vous allez dire, bah oui, mais moi, ce qui me pèse, c'est que je vis avec une maladie chronique et du coup, je suis toujours en manque d'énergie, je ne peux pas faire ce que je veux. Bah, l'idée, c'est peut-être de voir comment, au niveau de vos activités, vous pouvez prioriser les activités qui comptent pour vous et qui sont des activités ressources, au lieu d'essayer de fonctionner comme avant. Alors, je sais, c'est compliqué parce qu'avant tout ça, il faut déjà faire un travail d'acceptation de là où on en est. Ça, c'est vraiment la première chose, d'accepter là où on en est pour ne pas rajouter de stress et de résistance. Et une fois qu'on est plus en paix avec ce qu'on vit, à ce moment-là, de voir ce qu'on peut mettre en place pour s'aider et pour pouvoir ajouter des bonnes ressources et ôter tout ce qui prend des ressources qui sont finalement perdues parce que ça ne nous apporte rien en retour. Et surtout, j'allais dire, ça crée beaucoup de stress parce qu'il y a des choses qu'on fait, ben, on est obligé de le faire. Je reprends encore l'exemple des parents, décidément, hein, je l'enregistre, on est dans un pont. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai que des exemples avec la parentalité, vu que je suis seule à m'occuper d'enfants en ce moment. Oui, je vous disais, excusez-moi, je me perds dans mes idées, mais l'idée, c'est pas de dire, bah, j'arrête tout ce qui m'apporte pas de bien-être, de ressources, parce que par exemple, quand on est parent, on est obligé de faire des choses qui nous apportent pas forcément en ressources. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ôte tout ce qui me crée beaucoup trop de stress inutile, et si je ne peux pas l'ôter parce que c'est des choses que je suis dans l'obligation de faire par rapport à je suis obligée de travailler, je suis obligée de m'occuper de mes enfants, etc., etc., je vois comment je peux le faire différemment, quelle histoire je peux me raconter différemment, comment je peux voir les choses de manière différente pour que ça n'active pas autant de stress. Et ça, l'idée, en vous faisant accompagner, vous pouvez peut-être vous aider à avoir un autre regard sur la situation. Donc voilà un peu globalement ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui à ce sujet. Donc si je synthétise rapidement cette vidéo en résumé, arrêtez de vous culpabiliser, rappelez-vous que c'est une réaction automatique qui est ancrée dans notre cerveau à tous et qui s'active chez tout le monde quand on est dépassé par une situation, et que l'idée, c'est de pas essayer de rajouter du contrôle à tout ça, parce que de toute façon, le petit escalier n'est plus présent, et plus on va le chercher, moins on va le trouver. C'est toujours le même principe. L'idée, c'est vraiment de se prendre un moment, de faire une pause et d'essayer de voir comment on peut être plus présent à soi, comment on peut mieux comprendre comment on fonctionne. Et comment on peut, en comprenant mieux comment on fonctionne, peut-être soit changer de regard sur certaines choses pour arrêter d'ajouter du stress, soit si c'est des choses qui sont sous notre contrôle et qu'on peut changer, que ce soit positionner nos limites, agir différemment, avoir une conversation qu'on doit avoir avec telle ou telle personne, se faire aider par un thérapeute parce qu'à un moment donné, on a certaines mémoires implicites qui s'activent et que seul, on n'est pas en capacité justement de construire autre chose ou de changer notre regard sur la situation ou justement d'intégrer ces mémoires-là. Donc voilà, tout ça, c'est des choses de toute façon, plus vous parler dans les
semaine, mois à venir, en fonction du coup moi aussi du temps que j'aurai de disponible et des ressources disponibles pour justement vous en apprendre plus à ce sujet. Si vous avez des questions spécifiques, justement, posez-les-moi en dessous, comme ça je l'intégrerai dans mes réponses, dans mes autres contenus. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et surtout, 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 soyez bienveillant avec vous-même, soyez doux avec vous-même, offrez-vous ce que vous demandez aux autres. Je sais que souvent on demande aux autres de nous aider, de prendre soin de nous, mais la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à prendre soin de soi, d'apprendre à bien se parler, d'apprendre à être doux avec soi-même, d'arrêter de se rejeter soi-même quand on n'a pas tel ou tel comportement, telle ou telle réaction, d'accepter que c'est aussi une part de nous. Et c'est une part de nous qui, même si elle n'est pas forcément adaptée, même si elle est très handicapante au quotidien, initialement, elle cherche juste à nous protéger. Donc sur ces quelques mots, je vous laisse et je vous souhaite la journée, la semaine, les moments les plus doux possibles. À bientôt, au revoir.